Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette vidéo tuto en rapport avec le nouveau donjon, la flèche de la vigie. Alors j'ai réalisé précédemment une première vidéo dans laquelle je vous parle tout simplement du chemin qui vous mène à l'ouverture du donjon et dans laquelle on découvre un petit peu ensemble la mécanique de ce donjon, une mécanique très très simple qui finalement va s'appliquer, vous allez le voir, à toutes les rencontres et à tous les boss qui vont suivre dans le donjon. Donc la zone de l'ouverture s'appelle analyse chronoscopique et une fois que vous avez terminé cette première étape, il y a une grande plaque qui s'ouvre au sol et qui vous permet donc d'atteindre une seconde zone. C'est le sujet de cette vidéo, c'est la zone du pare-feu du réacteur. Alors cette zone, c'est tout simplement un parcours de saut comme on les aime dans Destiny 2 et en fait cette zone elle vous permet deux choses. Dans un premier temps, d'atteindre le premier coffre caché qui se trouve dans la zone, on va le voir au cours de la vidéo. Et ensuite, bien évidemment, d'atteindre la deuxième zone de rencontre, de combat, de loot, à savoir la zone flèche d'Arès. Donc je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et on se retrouve par la suite dans une troisième vidéo dans laquelle on abordera cette fameuse zone suivante, la flèche d'Arès. Bon jeu à tous, profitez bien et à très bientôt. Ciao, ciao !